m'appelle Karine, ma famille et moi sommes installés en Touraine depuis une quinzaine d'années. La piscine a été créée en même temps que la construction de la maison. Le choix s'est vite imposé car nous souhaitions avoir un équipement qui soit rapidement disponible. On a opté pour le même sol sur la terrasse et les abords de la piscine de façon à avoir quelque chose d'homogène, ne pas démultiplier les matériaux. Les margelles de la piscine sont en pierre bleue ainsi qu'une partie de la terrasse. Et l'autre partie de la terrasse est en bambou, ce qui contraste assez bien avec la partie végétalisée. Le choix des matériaux naturels était important pour nous, de façon à avoir une uniformité et ne pas avoir d'entretien spécifique. Le parterre végétal et le choix de l'olivier s'est fait assez simplement puisque nous souhaitions avoir un arbre persistant. Et puis c'est un arbre assez majestueux et qui représente à la fois l'aspect méditerranéen et la zénitude. Une ambiance qui collait assez bien avec l'exposition plein sud de la terrasse. L'olivier a une chute de feuilles assez limitée, ce qui cadre assez bien avec l'usage d'une piscine. Il y a une taille ou deux par an et puis un désherbage régulier, de façon à avoir toujours un massif très net.